J'étais venue laisser un avis de passage dernièrement. En 2014, je me suis présentée, disons, à un concours d'admission à l'École nationale d'administration. J'ai eu, disons, cette grâce d'être comptée parmi les 60 premiers de la première promotion. Et par le concours des circonstances, j'étais plutôt affectée au niveau du ministère de l'Environnement, ce qui était mon souhait. Et donc aujourd'hui, je suis fonctionnaire donc, au ministère de l'Environnement au sein de la direction de contrôle et vérification interne. Je suis précisément au niveau du pôle conservation de la nature. Et c'est plus pour inspecter le contrôle ou la détention illicite des espèces protégées. La formation que j'ai suivie sur le leadership avec l'appui de la coopération technique belge est pour moi donc très importante. Certes, on peut se dire leader, mais l'on doit comprendre aussi quel est le leadership efficace à mettre en place dans une administration. Et il fallait donc savoir comment s'appréhender, comment s'y prendre, sûrement et lentement imposer un leadership efficace. Vous avez pôle forêt, pôle conservation de la nature et ressources fauniques et aquatiques, c'est ça ton pôle? Oui. Oui, pôle audit aussi. Pôle audit. Ce qui est important, c'est de se connaître. Se connaître quel type de leader vous êtes. Et on a découvert notre type de personnalité. Lorsque vous vous découvrez, vous comprenez quelles sont les failles, quel type de personne déjà vous êtes, extraverti ou introverti. Et il y avait des acronymes qui vous définissent clairement. Vous vous découvrez comme dans un livre ouvert. Et ça vous permet de savoir comment gérer aussi votre relation interpersonnelle avec les collègues.